Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, on se retrouve pour un cours de karaté et on va donc faire la suite du cours de karaté que l'on avait fait la semaine dernière, qui avait permis donc de travailler sur des morceaux donc du kata Kankudai sous forme de kion et qui j'espère que vous avez pu répéter tout au long de la semaine. Donc, on va maintenant aujourd'hui dans ce cours assembler ces différents passages pour créer donc le kata complètement Kankudai. Mais avant, bien sûr, échauffement. Allez, allez, c'est parti, on continue sur place. Allez, respirez bien. Allez, c'est parti, palme aux fesses. Allez. Allez, montez le genou. Chassez les jambes. Allez, croisez les diagonales. Allez, sur place, rotation, libérez bien vos hanches. Allez, avant-arrière. Allez, côté. À une jambe sur l'autre, allez sur place et on relâche. Allez, tête, pitch, ei, son, chi, go, loku, sechi, achi, kyu, du côté, ich, ni, son, chi, go, loku, sechi, achi, kyu. Du épaule, ich, ni, san, chi, go, log, sich, h, q. Du haut sur avant, ich, ni, san, chi, go, log, ou. Allez, bassin, ich, ni, san, chi, go, log, sich, h, q. Du haut changé, ich, ni, san, chi, go, log, sich, h. Du haut, le long, pitch, ni, san, chi, go, hop, sitch, hatch, q. Du haut côté, itch, ni, san, chi, go, hop, sitch, hatch, q. Du haut rotation, itch, ni, san, chi, go, dans l'autre sens, itch, ni, san, chi, go. Allez, on part sur le côté, itch, ni, san, chi, go, hop, sitch, hatch, q. Du changer, itch, ni, san, chi, go, lock, sitch, h, q. Du direct, itch, ni, san, chi, go, lock, sitch, h, q. Du on va chercher sur l'avant, itch, ni, san, chi, go, lock, sitch, h, q. Du et on fléchit, une fois d'un côté, une fois de l'autre, H, ni, san, chi, go, hop, sitch, h, q. Du haut, on descend complètement, H, ni, san, chi, go, hop, sitch, h, q. Du haut, de l'autre côté, H, ni, san, chi, go, hop, sitch, h, q. Du haut, direct d'un côté à l'autre, H, ni, san, chi, go, hop, sitch, h, q. Du haut, jambes tendues. Et on descend, on sort. H, ni, san, chi, go, log, sitch, h, q. Du haut encore. H, ni, san, chi, go, log, sitch, h, q. Du allez, main devant, pied droit devant. On tend la jambe gauche loin derrière. Et on descend pour étirer le psoas. H, ni, san, chi, go, log, sitch, h, q. Du haut encore. H, ni, san, chi, go, log, sitch, h, q. Joue sans bouger les pieds, on se redresse, on tend la jambe avant, on relève les orteils et on descend le ventre sur la cuisse. Itch, ni, san, chi, go, lock, sitch, h, q. Joue encore, itch, ni, san, chi, go. On descend le genou arrière au sol, on attrape le pied, on se redresse. Allez, itch, on étire le quadril. Ni, san, chi, go. Verrouillez bien votre bassin, rétroverse du bassin, sitch, h, q. Joue encore, itch, ni, san, chi, go. Et on change de côté. Allez, pied gauche devant. Itch, ni, san, chi,
go, lo, sich, h, q, tu encore, ich, mi, son, chi, go, lo, sich, h, q, ju, j'en ai entendu, on descend, ich, mi, son, chi, go, lo, sich, h, q, tu encore, ich, mi, son, chi, go, lo, sich, h, q, ju, on descend le genou au sol, on attrape le pied, étirez bien, redressez, h, mi, son, chi, go, lop, sitch, h, q, ju encore, sitch, mi, son, chi, go, lop, sitch, h, q, ju, et on relâche. Allez, on appuie sur les poings, série de pompes, on descend, h, mi, son, chi, go, lop, sitch, h, q, ju, on reste en bas, h, mi, son, chi, go, lop, sitch, h, q, ju, et on relâche. Allez, on se met sur le dos. Inhale les oreilles, tire les coudes en l'air, remonte tête épaule. H, mi, son, chi, go, lo, sitch, h, q, ju encore. H, mi, son, chi, go, lo, sitch, h, q, ju en l'air. H, mi, son, chi, go, lo, sitch, h, q, ju entre les jambes. H, mi, son, chi, go, lo, sitch, h, q, ju. Allez, jambes à la verticale et on décolle les fesses. H, mi, son, chi, go, lo, sitch, h, q, ju encore, h, mi, son, chi, go, lop, sitch, h, q, ju et rotation, h, mi, son, chi, go, lop, sitch, h, q, ju dernier, h, mi, son, chi, go, et on relâche. Allez, on pousse étendrement, les mains loin derrière, tirez bien, et relâchez. Allez. On va démarrer ce kata kampudai. Alors, au niveau de la présentation, donc, bien sûr, position de salut, Muzubinachi, on vient au yoi. Et là, on vient donc positionner les mains. Alors, les doigts de la main droite viennent par-dessus les doigts de la main gauche, pouce droit par-dessus le pouce gauche. On forme donc un triangle avec les doigts et les pouces. Et donc là, dans un premier temps, on regarde toujours à l'horizontale, on monte les bras. À partir du moment où le regard rentre dans le triangle, on continue à regarder le triangle sans monter la tête, on écarte les bras en ramenant le regard à l'horizontale, on redescend et on vient positionner le tranchant de la main droite dans la paume gauche. Donc on est en place, on monte, on écarte et on redescend. Monter, écarter et on redescend. De cette position, donc tout de suite, Kokutsudachi, Aishuuke Jodan, sur le côté gauche, Aish, Kokutsudachi. Et donc, demi-tour, même chose, Aish. Donc, on repart de la position, quart de tour, Aish, demi-tour, Aish. Donc, exceptionnellement, vous avez vu flexion, la rotation comme dans Yanidan, mais directement sur les talons. La main donc, qui reste là est juste au niveau du plexus. Main gauche bien verticale, l'avant-bras gauche bien droit vertical, pardon, et même chose bien sûr sur le côté. Dernière fois. Aïch! Aïch! Là, je vais ramener mon pied gauche en direction de mon pied droit pour me positionner dans une position Hachidachi relativement large. La main gauche s'est glissée sous la main droite pour venir travailler Tate Shuto. La main gauche s'arrête devant l'épaule. Sur place, Tsuki, il n'y a pas besoin de réarmer. Directement frappe, Uchi, on ramène. Tsuki, Uchi. Donc, Tate Shuto, 1, 2, 3, 4. Dernière fois, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on va essayer d'enchaîner donc l'ensemble. Allez. Aïch, aïch, son, aïch, aïch. De cette position maintenant, mon pied gauche va se rapprocher de mon pied droit en moitié, comme dans Yanidan, à moitié, les pieds sont moins écartés. Rotation du pied gauche pour positionner mon pied gauche correctement, ramener bien les deux poings à la hanche, Koshikamae, et on retrouve la phase de Yanidan avec Urakeni Uke et Yokoiri. Hach, le tour, Shuto. Si vous avez de la place, vous pouvez bien sûr faire vos shuto comme dans Yanidan en avançant. Si vous n'avez pas de place, shuto, travaillez sur place. Ça vous permet comme ça
travaille même dans une surface relativement petite. Tate shuto, tsuki uchi, tsuki uchi. Rame uchi, urake ryoko, shuto, 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 nous quitter. Sur place ou en avançant. Une fois qu'on est sur donc notre nous quitter, demi-tour. Donc souvenez-vous, demi-tour, shuto, iran barai, rotation, shuto jodani yoke, shuto uchi. Avant le maïdéri, demi-tour, manji, nakashi, et Gedan en revenant au Renojidachi. Je passe. Quitter. Demi-tour. Etch, ni, maille, son, chi, hop, ok. Puis là, de nouveau, on repart. Dans cette position, attention à bien venir réarmer votre shuto avant de lancer le shuto uchi. Maille, rotation. Etch, ni, son. On va repartir du Yoko Iri pour Aken Yoko et on enchaînera Shuto Shuto, nous quitter. Aïch! Aïch! Sans! Chi! De position demi-tour. Aïch! Mi! Maïe! Sans! Chi! Go! Ok! Et on repart. Aïch! Mi! Maïe! Sans! Chi! Go! Ok! Et on relâche. Allez, on s'est accroché un peu. Donc on va reprendre une fois pas trop vite pour bien se souvenir du diagramme de l'ambusen donc du kata. Donc premier quart de tour sur la gauche. Aïch, demi. Aïch. On ramène, tate shuto, aïch, suki, uchi, suki, uchi. Ramène pied gauche, koshi kame, urake yoko, shuto, shuto, shuto. Nous quitte. Demi-tour. Aïch, ni, maïde, son, chi, go. Log. Aïch, ni, son, chi, go. Oh. Voilà, donc on était à ce moment-là du kata. Ici, on va enchaîner donc sur le côté gauche avec les yokogiri de part et d'autre. Je reste dans cette direction pour vous remettre bien dans le diagramme du kata. Donc là, pareil, on réarme. Koshikame, urake yoko, poser, frapper. Sans bouger le pied gauche, réarmement. Urake yoko, frapper. Là, demi-tour sur place en chassant le talon, shuto-uke, 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 et le dernier. Donc on reprend, MJ, aïch, mi, san, sans bouger le pied, aïch, mi, san, demi-tour shuto, aïch, mi, san, chi. Donc dans la position maintenant, shuto uke, retour, c'est la phase du Ganyodan. Souvenez-vous, je me remets de face. Un shuto, 1, 2, maïri, uraken. Donc je repars dans la position du kata, shuto, etch, ri, san, chi. Retrait du pied gauche, uchi, pari pari. Demi-tour sur le pied gauche. 1, 2, 3. Rotation maintenant. Armement. Shuto barai. Grand. Shuto uke. Allez, on reprend ça. On part. Uchi uke. Bari bari. Allez. Demi-tour. Faites bien un passage. Poids sur la jambe gauche. Verrouillé. Pivotez pardon sur ce pied gauche. En même temps. 1, 2, 3. Shuto barai. Allez. De cette position, maintenant 3 quarts de tour. Donc, 3 quarts de tour, uchi de uke, en zen kutsuhachi. Donc, comme au départ, vous êtes en kokutsuhachi. Il va falloir amener le poids sur la jambe droite pour venir positionner votre pied correctement. Donc, pareil, souvenez-vous ce qu'on avait vu la semaine dernière. Lorsque je viens positionner donc, mon poids sur ma jambe droite, mon pied gauche, lui, se décale derrière. De telle manière que dans la rotation, je retrouve
la largeur de mes hanches pour faire mon Uchiyu, ok, et mon Yakutsugi. C'est bon? Donc on est en Kotsukachi Shukouke ici. Donc trois quarts de tour, Ameya, Uchi, Yaku, Demi-Tsu, Uchi, Bari-Bari. Là, je ramène la jambe droite, Ushikame, le directement sur le pied gauche. Uraken Yoko, et là, Shutouke. Nukite, Kenseuke, Nukite. Rotation de la main, de face. Rotation sur le pied droit, souvenez-vous, on vient travailler dans un plan vertical ou Uraken et Yoriashi après, Tetsuki. MP, Koshi, Gedan. Allez, on reprend ce petit passage. Donc, Kokutsuyashi, Futouke, 3 quarts de tour, Uchi, Etch, Rei, demi-tour, Etch, Rei, Sang. On ramène pour Etch, Rei, Sang. Teosuite, Etch. Rotation, Mei, Etch, Mei, Etch, Mei, Sang. Donc à partir de ce Gedan Barai, souvenez-vous, on déplace le pied gauche, on monte, mon volant, mon grand gouvernail, bras gauche descend pendant que le bras droit monte, et le bras droit va monter et frapper à l'intérieur. D'accord? Je m'en vais toujours pareil dans le match du kata. Allez, Etch, Mei, Sang. Chi pour ramener les deux pieds. Je laisse les bras en l'air, je plie ma jambe droite pour bien pivoter dessus et reculer ma jambe gauche et tirer les bras. Manigangiri, deux coups de pied. Chi, sans Uraken. Écartez le bras droit. Tournez, pivoter, bras gauche devant. Refermez votre kata. Allez, on va reprendre sur la fin. Donc ici on était sur Tetsui. Etch, Mei, San. Etch, Mei, San. Rotation. Chi. Etch, Mei, San. Etch, Mei, San. Oui. Voilà. Donc vous avez maintenant le kata dans son ensemble. Donc vous pouvez associer bien sûr le travail de précision de la semaine dernière sur différents points. Et maintenant, essayez donc d'assembler tout ça pour construire le kata. On va le refaire une fois donc ensemble, ce kata. Je n'irai pas trop vite. On essaiera de bien les composer. Et on restera donc dans l'ordre du kata tout le temps. Pour qu'il n'y ait pas de coupure et que vous ayez un bon repère. Kankudai. Montez le regard, écarté, position. Etch, aïe, doucement, date shuto. Etch, etch, aïe, etch, aïe. Pied gauche à moitié, etch, Uraken Yoko, etch, sans shuto, ok. Etch, aïe, sans. Là donc, première possibilité donc de mettre le kiai sur ce temps-là. Etch, mei, maine, san, an, chi, go, nakashi, etch. On repart. Etch, mei, san, chi, go, etch. On regroupe le poids sur la jambe droite, on va gagner le coup, allez, poids sur 120 kg, pardon, etch, mei, san, demi-tour, Shutouke. Etch. Mei. San. Chi. Etch. Mei. San. Chi. Etch. Mei. San. Etch. Mei. San. Etch. Mei. Etch. Mei. Etch. Mei. San. Etch. Ni, san, chi, o, etch, ni, etch, ni, san, etch, ni, san, chi, etch, etch, ni, san.
Allez. Allez. Yes, mais... Voilà donc pour la mise en place donc de ce kata Kankudai. Vous avez maintenant donc l'embusène complet. Vous pouvez donc travailler avec les phases en reprenant bien sûr le travail de la semaine dernière sur certains passages et puis en essayant d'assembler comme on vient de le faire aujourd'hui dans son ensemble le kata. Au début, n'allez pas trop vite, essayez de prendre de l'assurance sur les mouvements doucement, puis après accélérer, mettez de plus en plus de puissance. On verra sûrement ce travail beaucoup plus, de manière beaucoup plus rapide dans quelques temps. Bon travail à vous et à très bientôt. Merci.